Bonjour ou rebonjour. Dans cette capsule-ci, qui fait suite à la capsule précédente sur les types de jugements, je procède tout simplement à un corrigé de l'exercice que vous retrouvez dans votre cahier pour le cours à la page 7. Donc, page 7, c'est un exercice pour repérer les différentes catégories de jugements. Donc, dans l'exercice, il s'agit tout simplement pour chacune des, des phrases de dire si ça relève... Davantage de jugement de fait, si ça relève davantage d'un jugement de goût ou préférence, ou si ça relève davantage des jugements d'interprétation ou jugement de valeur. Mais jugement de valeur et jugement d'interprétation ensemble. Allons-y, c'est à la page 7 de votre cahier. Au point A, Picasso est un peintre cubiste, c'est un jugement de fait. Il s'agit tout simplement de voir si oui ou non. Picasso est classé dans la catégorie de, des peintres cubistes, du mouvement cubiste. Donc, c'est un jugement de fait. Au point B, les propos de cet animateur m'ennuient profondément. C'est un goût ou euh, une préférence, je m'en sors. Pourquoi est-ce que c'est un goût Bien, Ici, c'est indiqué avec le m'ennui, le me. Donc, c'est la personne qui parle qui est ennuyée. C'est l'énonciation de son goût. Au point C, cet animateur est profondément ennuyant. Là, c'est un jugement de valeur. Jugement de valeur, ou on pourrait dire interprétation. Pourquoi est-ce que c'est un jugement de valeur à ce moment-là? La distinction avec le point B, c'est qu'en disant qu'il est profondément ennuyant, là, c'est comme si on prétend que c'est vrai qu'il est ennuyant. C'est comme si on, on prétend que c'est une de ses caractéristiques d'être ennuyant. Donc, on, on a un idéal de vérité, on prétend dire quelque chose de vrai et non pas juste parler pour notre petite personne lorsqu'on dit, par exemple, dans le point B, lorsqu'on dit que ça m'ennuie, là, c'est juste nous, mais là, on présuppose avec le est que... C'est sa caractéristique. Vous voyez un peu ici la nuance là, entre le passage entre le jugement de goût et le jugement de valeur. C'est dès qu'on on énonce de manière générale, bien, on énonce comme si ça pouvait être construit comme vrai. Et c'est la distinction fondamentale entre le jugement de valeur et le jugement de goût. C'est que le jugement de goût ou préférence assume qu'il n'a pas d'autre valeur que pour soi-même. Il, il est valable que pour soi. Alors que dès qu'on formule comme si c'était vrai ou valable notre préférence, bien, c'est plus juste l'énonciation de notre préférence, ça devient un jugement de valeur ou un jugement d'interprétation. En même temps, on ne peut pas démontrer, euh, c'est pas que descriptif que, que factuel. Au point 2, ce type de thé est le meilleur accompagnement pour ce type de repas. Là, on a aussi. Un jugement de valeur ou d'interprétation. Pourquoi est-ce que c'est un jugement de valeur ou un jugement d'interprétation? Je les mets ensemble encore. Euh, on pourrait toujours se demander pourquoi est-ce que c'est pas un jugement de goût. Effectivement, il y a une question de goût qui est impliquée et c'est ce qui fait que ça ne peut pas être seulement descriptif parce qu'il y a une question d'appréciation. Donc, ça ne pourrait pas être... Que descriptif, ça ne pourra pas être le jugement de, de fait. Mais pourquoi s'il y a cette appréciation-là qui entre ici, pourquoi est-ce que c'est quand même un jugement de valeur et non pas un jugement de goût? C'est encore là qu'en disant que c'est un des meilleurs, on prétend que c'est que c'est vrai, que c'est valable. Euh, sinon, autrement, ça serait juste c'est un des meilleurs que j'ai goûté ou que j'ai expérimenté. Là, ça serait de notre point de vue, mais en disant que c'est un des meilleurs, bien il peut par exemple y avoir une attente, si quelqu'un aime aussi le thé, le prend pour aller avec ce type de repas-là, s'il se rend compte que c'est vraiment pas bon, ben il va considérer que soit on connaissait pas ça, ou soit on lui a menti, ou soit on l'a trompé ou donc dans la formulation, il y a une attente à ce que ce soit vrai. Donc, là aussi, il y a l'idéal de vérité. En même temps que c'est pas juste descriptif, le meilleur ou un des meilleurs, ben, c'est dans la, la valeur. Au point E, J'aime les gens qui sont capables de souffrir en silence. Donc, c'est un jugement de goût ou de préférence. Et là, je vous rassure, ce n'est pas moi qui dis ça, là. mais pour une personne qui dirait ça, ce ça serait son goût ou sa préférence. Au point F, rien n'est plus vain que de mourir pour un amour. C'est vivre qu'il faudrait. C'est un jugement de valeur, là aussi. Jugement de valeur ou jugement d'interprétation. Euh, donc on donne un sens euh, à tout ça, que c'est vain. Euh, et remarquez, c'est une citation d'Albert Camus, en fait, le, le F. Au point G, il y a trop de crimes dans notre société. C'est un jugement de valeur ou interprétation. Pourquoi est-ce que c'est pas un jugement de fait? Ça serait un jugement de fait si on disait, par exemple, que la criminalité a augmenté de 3 cette année. Là, ça serait factuel, ça serait descriptif. Mais en disant qu'il y a trop de crimes dans notre société, là, il y a une interprétation ou une valeur parce que il s'agit de voir qu'est-ce qu'on considère comme trop de crimes. Euh, Est-ce que euh, c'est 1000 crimes? Est-ce que c'est 500 crimes? Est-ce que c'est 1500? Euh, tu sais, Quelqu'un pourrait dire ⁇ Un crime, c'est déjà un crime de trop ⁇ mais s'il dit ⁇ Il y a eu trop de crimes dans notre société, il y en a eu un seul bon, ⁇ on va dire ⁇ Non ⁇ mais donc toute l'interprétation ici et le potentiel débat euh, serait sur qu'est-ce que c'est que trop de crimes dans une société. Le point H, chacun doit trouver sa solution, c'est un jugement de valeur ou d'interprétation. Donc ça, ça, ça donne un sens, euh, une direction ici. Euh, c'est comme si on disait, bien, au point de départ, tout le monde doit se débrouiller, tout le monde doit trouver sa propre solution. Le jugement de valeur qui serait opposé à celui-là, pour vous donner un exemple, peut-être éclairé, ce serait quelqu'un qui dirait... Chacun doit se trouver un modèle à suivre. Euh, donc, on partirait d'un même fait, il faut se débrouiller, mais quelqu'un pourra avoir la valeur ou l'interprétation à chacun d'inventer sa propre solution, de faire sa propre voie, puis quelqu'un pourra avoir plutôt comme la valeur ou interprétation. Chacun doit essayer de se trouver un modèle, essayer de chercher l'inspiration, chercher quelque chose qui, qui guide. Le point I, la criminalité a augmenté de 3% cette année. Là, c'est un jugement de fait et je l'avais évoqué tantôt par rapport au, au point G, il y a trop de crimes dans notre société. Donc, là, ici, vu qu'on mesure avec le pourcentage, c'est un jugement de fait, on décrit. Au point J, la sexualité est au cœur de l'identité humaine. Là c'est un jugement de valeur ou d'interprétation. Pourquoi est-ce qu'il y a là une, une valeur ou une interprétation C'est qu'on essaie d'interpréter ou de déterminer dans le fond qu'est-ce qu'on considère comme étant le propre de l'identité humaine ou qu'est-ce qui est central qui est au cœur, qui est central dans l'identité humaine. Euh, donc, là, ça dépend des conceptions de l'être humain que vous avez euh, probablement, ben, que vous avez vu en Philo 2 sur les conceptions de l'être humain. Quelqu'un qui a une approche freudienne serait d'accord avec ça pour dire oui, la sexualité est au, au cœur de l'identité humaine. Mais quelqu'un pourrait ne pas être d'accord pour dire la sexualité c'est quelque chose d'important, de, euh, de capital, mais manger aussi, c'est vital, mais on va pas dire la nourriture est au cœur de l'identité. Peut-être qu'on devrait aussi, je ne sais pas. Mais dans tous ces cas-là, il y a une interprétation ou une conception de qu'est-ce qui fait le point focal, central de l'identité humaine. Le point K, nos pensées ne sont rien d'autre que le résultat de l'activité du cerveau, là c'est un jugement de valeur ou d'interprétation. Et qu'est-ce qui fait que c'est un jugement de valeur ou d'interprétation Ça tient essentiellement dans le ne sont que rien d'autre. Euh, pour mieux le voir, je vais prendre... Le point K avec le point L, tout de suite, je l'ai traité ensemble, ça va, ça va être plus clair, je crois. Au point L, la pensée, ou l'activité mentale, implique un processus neurobiologique. Donc ça, c'est un jugement de fait. Qu'est-ce qui fait ici la nuance entre le L, qui est un fait, et le K, qui relève de la valeur ou de l'interprétation, bien, c'est que dans le L on va rester au niveau descriptif. On dit pour avoir des pensées ou de l'activité mentale, il y a d'impliquer, au travers de ça, un processus neurobiologique. Et on peut, on peut le constater d'un point de vue scientifique, quand on va avoir... Euh, certaines pensées ou certains états d'esprit, il va avoir aussi des variations au niveau neurobiologique. Ce ne sera pas la même chose, par exemple, si on est en joie, si on est excité, si on est déprimé, si on est en colère. Ce ne sera pas les, le même processus qui, qui va être activé dans le, dans le cerveau. Donc, ça prend un cerveau pour avoir des pensées, pour avoir de l'activité mentale, mais non seulement ça prend un cerveau, mais il y a une activité aussi. Est là Donc la correspondance, qu'il n'y a pas de pensée sans, sans cette activité-là, et que l'activité varie aussi avec les pensées, c'est de l'ordre des, des jugements de fait. Donc c'est essayer de voir euh, comment, comment est-ce que ça se déroule. Pourquoi est-ce que le cas, le point cas, n'est pas aussi un jugement de fait? Pourquoi est-ce que ça devient de la valeur ou de l'interprétation, c'est que là, on fait un pas de plus. Et un pas de plus qui nous amène dans une direction où, en principe, on n'est plus dans quelque chose qui peut être validé au niveau factuel. Parce qu'on va dire, les pensées ne sont rien d'autre que le résultat de l'activité du cerveau. C'est comme si on... On vient affirmer que non seulement, oui, il y a le processus neurobiologique, mais que non seulement il y a ce processus-là, mais que les pensées n'ont pas aucune autre valeur, finalement, que de refléter ce résultat-là. C'est une conception philosophique. C'est une conception euh, même métaphysique qui peut se défendre, mais auquel aussi on pourrait opposer des arguments pour lesquels on pourrait être en désaccord. Et pour pouvoir y répondre de manière scientifique, pour voir est-ce que les pensées ne sont vraiment rien d'autre que ça, pour pouvoir y répondre de manière scientifique, il faudrait pouvoir isoler les deux parties, le contenu. Et le résultat. Mais on n'est on on pas euh, dans une position où on peut isoler tout ça. Les choses se passent en même temps. Euh, déjà, c'est difficile d'évaluer des fois des influences bidirectionnelles. L'influence finalement de nos, nos états d'esprit justement sur le corps et l'influence du corps sur l'état d'esprit. Déjà, c'est difficile de l'imaginer. Mais ici, il y, a, il y a une difficulté. Je regarde le cas, parce que je sais que lorsque je donnais le cours en classe, c'était un des points euh, qui était le, le plus difficile à, à saisir pour, euh, pour les étudiants les étudiantes. Vu que je, je le prends avec une implication, c'est fort possible que vous aussi, vous ne voyez pas encore clairement ou que ça vous semble un peu vague. Supposons qu'on est d'accord avec le point K. On n'est pas obligé d'être d'accord parce que c'est de l'ordre de l'interprétation et la position inverse se défend, mais supposons. Supposons qu'on est d'accord pour dire que les pensées sont rien d'autre que l'activité du cerveau. Ça implique comme conséquence que le contenu de nos pensées n'a pas aucune autre valeur que de simplement refléter... L'activité. À ce moment-là, ça, ça implique ou impliquerait aussi que le, le contenu de nos pensées, puisqu'il n'y a pas aucune autre valeur, bien, il n'y a pas de sens, par exemple, ou il n'y aurait pas de sens, par exemple, à l'amour. Et le fait d'être en amour ou amoureux ne serait rien d'autre que le gigotement. Donc, oui, dans l'état amoureux, il y a quelque chose qui se passe au niveau du processus neurobiologique, il y a, il y a quelque chose qui n'est qui est pas similaire lorsqu'on est déprimé ou lorsqu'on est amoureux sur le plan neurobiologique, mais si on dit que c'est rien d'autre que ça, bien ça veut dire par exemple que la personne qui met beaucoup d'efforts pour exprimer son amour au travers de la poésie, ben ça serait juste finalement... Beaucoup de bruit pour rien et beaucoup de trouble pour juste dire quelque chose qui serait l'équivalent de, ben, chérie, quand mes cellules, même pas moi, mes cellules sont en présence de tes cellules, il se produit un gigotement qui est pas le même que quand mes cellules sont en présence des particules d'un verre d'eau. Euh, donc, <laughs> c'est une implication. Euh, donc, on peut peut-être dire concevoir ça comme ça, mais on peut très, 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 très bien avoir de bonnes raisons d'être en désaccord et de considérer il y a un sens à l'amour qui ne se réduit pas au processus, qui a un sens à l'amitié qui ne se réduit pas au processus, qui a un sens à se donner des responsabilités qui ne se réduit pas qu'au processus neurobiologique. Et remarquez que si on voulait aller plus loin là-dedans, mais j'espère que l'implication, le, l'exemple avec l'amour, le, qui ne serait rien, rien d'autre que le, le gigotement, qui n'aurait pas de valeur à l'amour, j'espère que ça, ça l'éclaire, mais si on voulait aller plus loin, euh, une des grandes difficultés ici, si on accepte cette, euh, cette idée-là, que nos pensées ne sont rien d'autre, euh, une des grandes difficultés, ça veut dire que le fait même, D'affirmer ça ne serait ni vrai ni faux, mais ne serait que l'activité du cerveau qui nous fait croire que c'est comme ça. Euh, si on accepte le cas que nos pensées ne sont rien d'autre que l'activité du cerveau, c'est-à-dire que même le fait de faire un processus scientifique ne serait même pas un aboutissement vers la vérité, mais ne serait finalement qu'un sous-produit. Non guidé, non, non, non objectif, non, non validé du processus neurobiologique. Donc, c'est pour ça qu'au départ, je disais que par principe, euh, on ne peut pas ici isoler les éléments pour soutenir l'interprétation. On peut la défendre en énonçant des arguments. Euh, en se disant bien plus ce qui est impliqué, par exemple, je ne vois pas comment, comment le, le, ne pas ramener ça à ça, mais ce réductionnisme-là euh, pose des, des problèmes. <laughs> Donc j'espère que je ne je vous, vous ai pas trop perdu, mais je pense ici déjà avec des exemples comme le cas... Euh, des exemples comme le, le J aussi, des exemples comme le point H, euh, comme le point F, etc. Je pense que déjà, vous pouvez mieux saisir euh, lorsque je vous disais que les jugements de valeur ne se réduisent pas qu'à des jugements moraux. Les jugements moraux sont dans les, les jugements de valeur, mais les jugements de valeur ne se réduisent pas qu'aux jugements moraux. Donc, dès qu'il y a de l'interprétation, ça, ça implique une certaine conception de valeur et vice-versa. Les deux derniers, donc au point M, cette personne n'a pas été jugée suffisamment. Excusez. Cette performance, <laughs> la performance d'une personne, j'imagine, mais cette performance n'a pas été jugée suffisante afin de satisfaire aux critères du comité de sélection. Ben là, c'est un jugement de fait. Ça pourrait être, par exemple, une personne qui va passer l'entrevue, vous lui demandez, puis est-ce que tu as eu le poste? Elle vous dit, non, ben, ça serait factuel. On rapporte le jugement du comité. Et le point N, le dernier les critères du comité de sélection sont adéquats. Là, c'est un jugement de valeur ou jugement d'interprétation. C'est qu'on essaie de, de juger la, la valeur du jugement rendu par le comité de sélection. C'est comme si dans le M, par exemple, on demandait à la personne, est-ce que tu as eu le poste? Elle dit non. Et dans le N, on... On se questionnait pour voir, oui, mais est-ce qu'ils ont eu raison de ne pas te donner le poste? Est-ce que c'est est parce que leurs critères euh, ils, ont, ils ont finalement bifurqué pour faire du favoritisme? Ou est-ce que... Donc là, on essaierait de, de porter une valeur sur le jugement qu'ils ont rendu.